son épilogue. Depuis donc l'apparition d'images indécentes sur l'ancien ministre d'État, le procureur d'instance de Kaloum a initié donc une enquête pour établir la responsabilité des fuites. Depuis donc plusieurs journalistes, dont Jacques Léoualeno, avec nous dans ce studio, et Mohamed Mara, ont fait l'objet de convocations à l'OPROGEM. Après donc de longues auditions, nos camarades sont répartis, dépouillés de leur téléphone. On essaie de comprendre ce matin, mon cher Taba Zakari Milimono, évidemment, avec Jacques, avec Mohamed Mara, qui sont avec nous. Justement, on va les entendre. Jacques Léoualeno, Mohamed Mara, qui, après avoir aidé à préparer le programme de la synergie d'hier, les brouillés ont donc répondu à un appel de l'OPROGEM. Comme vous savez, le procureur d'instance de Kaloum a donc engagé, même si l'on suspecte d'autres ressorts autour de cette affaire, il a donc engagé une démarche pour aider à faire la lumière sur le cheminement de cette vidéo que nous avons vue, présentant le ministre d'État Charles Wright. Ça a fait les choux gras de la presse, vous en souvenez. Plusieurs médias s'en sont saisis, pas mal de communication autour de ce sujet-là. Et puis, chemin faisant, on s'est dit, bon, ben, Jacques Léoualeno, Mohamed Mara auraient des responsabilités dans la fuite de cet audio. On va les entendre, la vidéo, on va les entendre, mais moi j'en ai souri quand ils m'en ont parlé, parce que je crois que nous avons quand même été très 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 vite au courant de cette situation. Nous l'avons eu depuis bien longtemps. Même quand certains n'avaient que quelques bouts, nous savions ce qui se passait. Et d'ailleurs, dans les discussions que nous avions décidé de ne pas aborder ce sujet-là. Pas du tout. Ça, je m'en souviens et je peux bien en témoigner. On a décidé de ne pas aborder ce sujet parce que il n'y avait pas d'intérêt à l'origine, avant les audios, il n'y avait pas d'intérêt pour l'opinion. Il n'y avait pas d'intérêt informatif pour l'opinion à ce moment. Et donc, les utiliser, ça ne viserait que la personne de Charles Wright, que nous aurions alors cherché à abattre, et puis ça exposerait la source. Et on s'est dit, c'est pas vraiment notre vocation en tant que journaliste, parce qu'effectivement, à ce moment-là, il n'y avait aucun intérêt informatif pour l'opinion, et donc c'est ce qui a conduit à cette idée. Mais Jacques certainement va ouvrir ce récit-là de cette longue audition, parce que bien entendu un peu décalé par rapport à celle de Mohamed Mara, mais nous en saurons tout à l'heure un peu mieux. Alors, effectivement, on a vu ce qui s'est passé sur la toile, et puis sans revenir sur les détails et les réactions que cette fuite a pu susciter. Il y a eu les communications de l'appareil judiciaire. D'abord, les procureurs généraux de Conakry et de Cancan qui ont fait un communiqué dans lequel ils ont instruit les procureurs d'instance d'engager des poursuites ou disons des enquêtes d'abord dans leur juridiction pour identifier la source de cette fuite. Et puis derrière, on va avoir une autre communication, je crois, du parquet de Kaloum, qui va dire que la fille, donc Aminata, qu'on voit sur la photo qui a fuité après, et qu'on entend dans les audios, serait en fuite et donc activement recherchée. Jusque-là, on attendait ce qui allait se passer. Ouais. Le jeudi, donc, nous étions là après l'émission à mon bureau et on a vu le vigile arriver avec deux convocations, une pour Mara et une pour moi-même, et qu'on devrait se présenter le lendemain à 9h. Ouais. Alors, nous devrions, en tant que citoyens, bien entendu, constituer d'abord un avocat et puis venir, puisque on nous a indiqué que c'est quand même à l'OPROGEM. Le motif n'était pas clairement indiqué sur les convocations. Ouais. Ils ont dit cybersécurité, tout simplement. Mm-hmm. Mais de bonne foi, avec notre avocat, nous avons décidé de répondre hier. Ouais.
Hier donc, après tout ce que nous avons pu faire pour aider nos collègues ou nos confrères à faire les bouillers, nous avons donc pris le chemin de Mafanko, où se trouve désormais la direction de l'OPROGEM. Nous sommes arrivés avant 14h et avec notre avocat, nous sommes allés tout bonnement à l'intérieur. Nous avons été reçus par la directrice générale de l'OPROGEM. À son bureau, l'avocat va lui demander « Mais mes clients sont reçus ici en qualité de quoi ? Est-ce que c'est en qualité de témoin ou en qualité de mise en cause ?» Elle a dit « Bon, on vous le signifiera tout à l'heure, il y a une commission, une équipe d'enquêteurs qui va vous recevoir et qui va entendre, n'est-ce pas, vos clients. » Oui. Des grandes gueules. On se met donc dans une salle où on devrait nous entendre. Et moi, on me demande de quitter puisque c'est une audition. On va d'abord entendre Mohamed Mara et puis après, moi, je pourrais revenir pour être entendu aussi. Donc, je suis allé donc à côté. L'audition de Mara aura pris pas moins de 2 heures, hein, parce que ça a commencé à 14h, donc environ 2 heures. Wow. Ils sont restés avec lui. Et après, ils sont venus me chercher. Entre-temps, il y a 2 autres avocats qui sont arrivés avec notre confrère Lincoln Souma, c'est Maître Béa et Maître Desba. Ouais. Donc, les deux sont arrivés avec Lincoln. Et après, on leur a dit que on ne pouvait pas nous entendre, nous trois, hier. Donc, je crois, lui, il est reparti pour revenir demain. Demain. C'est-à-dire, on les a dit après demain, donc c'est mercredi, donc c'est demain. Finalement, après l'audition de Mara, moi j'entre donc, on me dit, on me signifie tout de suite que il nous a été dit que la fille Aminata Conté est allée à Espace rencontrer Mohamed Mara et que toi tu as été témoin de cette rencontre. Donc on va t'entendre en tant que témoin de donc quelqu'un qui a assisté à une rencontre entre les deux. Je dis d'accord, est-ce que tu es prêt à répondre à nos questions? J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Donc ils vont me poser toutes les questions. Au final, ils ont dit bon, leur formalité quoi, on a tout fini. Les grandes gueules. Ils avaient demandé, je crois que c'est Mara, c'est après que j'ai compris que Mara leur avait proposé même une confrontation ils ont demandé. C'est eux qui m'ont demandé si j'étais prêt à une confrontation avec la jeune femme. Parce qu'elle est venue nous voir, je l'expliquerai tout à l'heure, avec un sujet d'enquête. C'est comme ça qu'elle est arrivée chez nous. Et donc, je leur ai quand même expliqué que, à moins que la jeune femme ne me libère, mais je suis tenu par le secret professionnel là-dessus. Je ne peux pas balancer ma source comme ça. Mais il y a d'autres questions auxquelles j'ai répondu, bien entendu. Est-ce qu'on s'est vu ici? Oui. En présence de qui? J'ai expliqué. Et est-ce que je l'ai rencontré hors d'ici? Oui. Une fois, je l'ai croisé à Taouya. Une autre fois, elle est venue me trouver avec des gens. Voilà. Est-ce qu'elle m'a donné des informations? Oui, elle m'a donné des informations, mais ils sont restés encore une fois sous le sceau uniquement du secret professionnel, parce que le sujet, on était toujours en train de réfléchir à comment l'utiliser, parce que Tamba l'a dit tout à l'heure, ça n'avait pas au prime abord d'intérêt véritablement informatif. Voilà, il y avait une infraction grave qui apparaissait. Et on avait prévenu celle qui était venue nous voir à la source que si on divulguait ça, elle-même, avec le ministre, tous les deux pourraient se retrouver en prison. Mais elle semblait déterminée. Donc, on n'a pas voulu aller plus loin avec cette histoire-là. Mais c'est à la fin de ça qu'ils m'ont dit, est-ce que vous accepteriez une confrontation avec, j'ai dit oui. Mais en fait, l'objectif de la confrontation, vu que d'après eux, c'est elle qui aurait dit... bon, j'ai donné à tel et tel, dont moi. Donc, en nous confrontant peut-être, elle-même, elle va parler. Et là, je serai peut-être obligé de me défendre. Moi, j'ai dit, je n'ai pas de problème avec cela. Parce que je sais exactement les éléments dont je dispose. Voilà. Et honnêtement, pas de souci, je suis prêt à collaborer dans ce cadre-là. Donc quand ils ont dit ça, il était question qu'aujourd'hui, que cette confrontation ait lieu, il y avait un souci de programme entre l'avocat et puis nous, parce que nous tenions quand même à venir travailler, mais un souci aussi avec eux là-bas, parce que le mercredi, ils disaient que ça allait être un peu chargé, notamment avec l'audition prévue avec Lincoln. Donc, là, on a fini, on a même signé, donc j'ai été le dernier à signer mon PV d'audition.
Et l'agent enquêteur qui entre et qui nous dit « Je viens de recevoir une instruction, je dois récupérer vos téléphones. » On dit « Mais pourquoi ?» Parce qu'on doit les amener à la DST. Je crois que la DST, c'est une des divisions de la surveillance du territoire. Donc, ouais. Les renseignements, ouais. Si vous voulez, d'aller là-bas. Donc, on ne comprenait pas. L'avocat dit « Mais depuis quand les renseignements interviennent dans une enquête policière ?» Donc, ils ont dit non, nous avons reçu des instructions. Donc là, il appelle l'avocat. L'avocat insiste. Oui. On quitte la salle où nous étions pour aller dans le bureau de la directrice. Et là, il voit le code de procédure pénale sur le bureau de Mme Gomez. Et il tire, et il ouvre. Il va à l'article, je crois, c'est 137, je crois, si j'ai bien écouté. Donc, il ouvre, il lit l'article. Ouais. Il dit seul le juge d'instruction peut autoriser la saisie. Peut ordonner la saisie. Ouais. Ce n'est même pas la saisie, je crois que c'est une saisie de toute façon. Non, quand on dit, non, oui, non, non, il est dit voilà. L'interception, l'interception des communications, de communication. Okay. Décryptage, ainsi de suite. D'accord. Donc, là, on n'a même pas besoin de nos téléphones pour ça parce que. Ce moment-là, il faut préciser qu'il était au téléphone avec le procureur de Kaloum. Oui, c'est avec le procureur de Kaloum. Donc, il lit ça et. Le procureur insiste quand même. Ils vont avoir plusieurs discussions. Bon, puisque moi, en tout cas, mon audition, ça n'a pas pris 30 minutes. Disons, de 17h jusqu'à 19h, on est en train de tirailler sur ça. Il va y avoir plusieurs coups de fil, hein, je crois. Mmh. On t'a appelé, on a appelé Tamba, on a pu échanger avec le président Yassine aussi. Mmh. Et puis, il y a. Qui a dit tenez-moi au courant. Oui, oui. De la suite. Oui, donc dans le milieu judiciaire, il va y avoir aussi des appels entre le parquet de Kaloum et puis le procureur général. Au bout du bout, on a compris que nous étions soit dans l'obligation de laisser nos téléphones ou alors, parce que c'était la dernière proposition qui était faite, il était maintenant, on était autour de 19h, ils nous disent « on peut même aller tout de suite ». À la direction des renseignements, et puis devant vous, on va auditer Le téléphone. Et notre avocat a dit que lui, il ne peut pas s'associer à une illégalité, ouais. Puisque vous voulez avoir des téléphones. Moi, j'ai dit à mes clients de les laisser ici, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Après, quand vous aurez fini, vous nous les remettrez. C'est dans ces conditions-là que nous avons laissé nos téléphones, et puis nous sommes revenus. Ouais. Une chose est claire, Madame Conté ou Mademoiselle Conté est venue ici, nous ne l'avons pas nié, on s'est vu. Et puis, elle était venue donner une information sur laquelle nous devrions travailler en tant que journaliste d'investigation. Mmh. Et une chose est sûre, ce n'est pas la seule informatrice que nous avons accueillie ici à Espace. Les sujets sur lesquels nous avons travaillé, on les a reçus. Et ensemble, il a toujours été discuté de la possibilité d'aborder tel ou tel autre sujet et de la façon de l'aborder aussi. Et dans son cas... nous l'avons reçu quand je crois le 21 février et pendant tout ce temps nous étions en train de réfléchir est-ce que nous pouvions y aller ou pas, ouais. Et la décision finale c'était de dire ce n'est pas nécessaire, il n'y a pas encore d'intérêt informatif, même si le délit dont Mara parlait est clairement apparu là, est clairement constitué là-dedans. Il y a des responsabilités des deux partenaires, mais il y a quand même quelque chose dedans. Mais nous devrions nous armer beaucoup plus pour aborder le sujet. On en est resté là, ils ont envie de comprendre davantage ce qui se passe. Nous n'avons pas de problème avec, mais que l'opinion soit quand même clarifiée sur ce qui s'est passé. Évidemment, ce qui est très important. Allez-y, Mohamed Mara. Bon, le compte rendu, il est complet. Simplement, quand on est sorti, donc après, c'est quelques coups de fil. Moi, j'ai appelé quelques organisations à l'étranger, dont Amnesty International. Non, je n'ai pas appelé RSF. Oui, parce que nos téléphones étant saisis, je n'avais pas tous les contacts, en fait, sur moi. C'est mon second petit téléphone que j'avais, donc tous les contacts sont pas là-dedans. C'est avec celui-là donc que j'ai pu rappeler LG, parce que bon, lui, vous savez, son numéro, tous les Guinéens le connaissent par cœur. Et donc voilà, et c'est comme ça qu'on a passé les coups de fil. Mais j'avoue une chose qui m'a heurté,
peut-être que ma formation de juriste à la base me joue parfois des tours. En fait, quand parfois j'assiste à certaines violations des procédures, ça me met dans un état, ça me rend malade quasiment. Ouais. J'étais surpris de voir que le procureur pouvait couvrir une telle illégalité. Mais attention, j'ai vraiment l'intention et l'impression que le procureur de Kaloum, qui pilote la poursuite, était mal à l'aise. Je dois le dire à sa décharge. Ouais. J'ai l'impression qu'il subissait des pressions parce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours. J'ai suivi ses communications avec l'avocat. Ouais. J'ai compris que ce n'était pas lui. Parce que lui, on leur a même dit, on revient demain. D'abord, quand ils nous ont dit, il faut ça, on leur a... Moi, par exemple, je leur ai expliqué, mais attendez. Si c'est un juge, pourquoi ne pas aller devant le juge? Parce que ce n'est pas pour rien que la loi a prévu d'aller devant le juge. Parce que le juge mesure le pour et le contre. Bien sûr. Le type de journaliste que nous sommes, nous sommes en contact avec le citoyen lambda jusqu'au sommet de la République. Évidemment. Nous échangeons avec des présidents, avec des premiers ministres, des députés. En fait, l'appareil militaire, mais vraiment avec tout le monde, opposant tout le monde. Donc, moi, je leur ai fait comprendre que c'est un risque que je ne peux pas prendre parce qu'on a quand même des masses de données, des masses d'informations, de documents et tout. Vouloir le leur donner, eux, à partir du moment où ils n'apparaissent même pas dans le code de procédure pénale, donc, ils n'appartiennent pas du tout au système judiciaire. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent en toute illégalité. Or, si c'est le juge qui ordonne, dans son ordonnance, il va dire exactement à l'autorité compétente. Et j'imagine que c'est l'ARPT parce que généralement, c'est comme ça. Il va leur dire exactement ce qu'ils cherchent. Ceux-ci, ils savent que s'ils vont au-delà... Ou les opérateurs. Ou les opérateurs. Voilà. C'est même très facile. C'est ça. Mais imaginez, comment on appelle ça, la confrontation. En fait, ce qui nous a surpris d'ailleurs, la confrontation qui était prévue ce matin, parce que croyez-moi, si il y a cette confrontation, elle va vite éclairer. Moi d'ailleurs, j'y suis totalement favorable. Ouais. Elle va très vite éclairer, mais comme je vous l'ai dit, quelle que soit l'issue de cette histoire, moi je ne balancerai pas ma sauce. Ce qu'elle racontera, ils devront s'en tenir. Mais par contre, en tant que journaliste, j'ai deux options. Et parfois même pas deux options, les deux peuvent être cumulatives. En tant que journaliste, lorsqu'on met des faits à notre disposition, la première des choses à faire, c'est de choisir si oui ou non nous voulons choisir ce sujet. Et c'est pourquoi quand le sujet est venu, on a hésité longtemps, on s'est même dit non, il n'y a pas d'intérêt. Finalement, la source même m'a appelé pour me dire, ah si vous ne voulez pas vous en occuper, je vais me tourner vers d'autres journalistes. Et je pense qu'elle l'a fait. Et on a continué donc sur l'enquête. Et donc, on a dit, bon, puisque vous nous avez raconté tout ça, vous nous avez fait écouter des audios, nous aimerions avoir ce qu'on appelle la pré-collecte de l'information, avant même d'ouvrir à proprement parler. Donc, on a exigé que les preuves dont elle dispose, qu'elle nous les dépose. Le problème, en fait, Lamine, ce qui s'est passé autour du ministre Charles est grave. Je réprouve totalement ce qui lui a été fait. Ce n'est pas normal, c'est indigne. Mais ils font du tintamarre avec cette situation pour étouffer un autre fait tout aussi grave. C'est ça en fait. Ce que je n'arrive pas à comprendre dans l'attitude des magistrats de poursuite dans cette histoire, et ils le savent, c'est que dans l'audio qui avait fuité, que beaucoup de gens ont entendu, on a cru comprendre clairement qu'il y a eu commission d'un délit et que beaucoup de gens étaient associés à cela. Des noms sont sortis. Rien n'est ouvert à ce niveau-là. Je vous rappelle le climat dans lequel ça s'est passé. On était... il y avait l'affaire Wilkinson. Et d'ailleurs, ils découvrirent après que l'affaire Wilkinson a été déterminante dans la volonté de la source à venir se confier. Parce que, vous savez, l'une des questions aussi qu'on pose, ou l'une des choses que nous recherchons quand une source vient nous voir, le journaliste se bat toujours pour comprendre quel est l'intérêt de la source dans le fait de donner cette information. Ça, nous cherchons toujours. Mais quand une source vous dit ceci, ce qui m'est arrivé, je sais que je ne suis pas la seule. Quand j'ai entendu l'histoire de l'autre, j'ai compris que je ne suis pas la seule. Et comme il y a déjà eu des frictions entre nous au sujet d'autres femmes, je ne veux plus que d'autres femmes soient victimes. Et les mots sont crus, je ne peux pas me permettre de les répéter ici. Les mots sont très crus. Donc, je ne peux pas me permettre que d'autres femmes en soient victimes. Alors, à ce niveau-là, vous faites quoi en tant que journaliste? Sans le vouloir, on porte à votre connaissance la commission de faits délictueux, extrêmement graves. Vous menez votre enquête, d'accord, puisque vous avez déjà procédé à cette pré-collecte-là,
vous commencez à examiner ensuite l'ensemble des documents et des pièces qui sont versées à votre niveau, vous procédez à l'analyse, bref, toutes les étapes de l'enquête. D'accord ? Ensuite, vous allez aussi maintenant vers les parties. Bien. Parce que, donc, on était, nous, en train de réfléchir à tout ça, lorsque patatras, on a appris cette histoire-là. Et quand c'est arrivé, je me rappelle, dès que, je crois que c'est toi qui as été informé, parce que c'est toi qui étais connecté à partir de l'étranger, il nous a dit, Joe, j'entends parler de quelque chose, apparemment, il y a une sextape autour du ministre. Notre réaction, tout de suite, on était dégoûté. On dit, ouais. Non, ce n'est plus la peine vraiment de continuer. C'était ça notre réaction. D'ailleurs, c'est bon. Ouais. Même le peu d'enquête qu'on avait commencé à ouvrir, on a dit non, on ne peut pas aller là-dessus. Ça devient trop sale. Bien. Voilà. Mohamed Mara, dans un instant, on revient évidemment avec quelques réactions. Tous les matins sur Radio Espace, vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité, évidemment. Mon cher Tamba, on a écouté Mohamed et Jacques Léoua. Première réaction que ça me donne, c'est de rappeler, je crois que je l'ai dit une fois ici, je veux le redire. Je pense que, bon, c'est bien dans l'enquête de regarder partout, mais il y a comme une perte de temps, quoi. Il y a un gaspillage d'énergie, une débauche d'énergie inutile. Le dossier Wilkinson, je n'étais pas là, mais j'ai suivi. Comment ça s'est passé? On échange tous dans le groupe, comme on le fait tous les matins, ou même bien avant les émissions. Mais, Lamine, voici un dossier en notre possession depuis au moins un an avant. Mais on ne l'a jamais traité. D'ailleurs, les magistrats se sont tus dessus, ceux qui avaient l'information qui aurait davantage édifié notre lanterne. Tout ceci a été caché. On cache. L'un d'entre eux m'a dénoncé auprès du ministre parce que je menais l'enquête, je l'ai touché, il en a informé le ministre. Et vous savez, depuis un an, l'enfer qu'il m'a fait vivre. Et donc il faut que l'on sache que, clairement, le travail du journaliste, c'est pas... Si c'est diffuser une vidéo parce que quelqu'un est nu, mais à quoi bon avoir fait une école de journalisme? À quoi bon s'asseoir dans un studio si ce n'est que ça l'information? Parce que j'ai vu un journaliste qui a mis sur la toile, bon, il a couché avec elle et puis ils ont... ainsi de suite. Je dis mais où est l'intelligence? Moi, ça va changer quoi, même à mon intelligence, de savoir ça, même à mon quotidien? C'est pas ça notre vocation, c'est pourquoi jamais, mais jamais on ne l'a fait. On ne l'a fait. Ensuite, il y a eu ce dossier qui est arrivé. Effectivement, même à distance, j'ai suivi ça avec les confrères, les collègues. Comment ce dossier a été traité ? C'est de la perte de temps. C'est de la perte de temps. Parce qu'avant tout ça, on a dit ça, il n'y a pas d'intérêt pour notre opinion. Et ce que nos petites lectures en journalisme nous ont appris. Ce que je vise, c'est la vérité. Quand la vérité sert l'intérêt général, c'est ce qu'on a appris. Si même la vérité ne sert pas l'intérêt général, à quoi bon? Parfois, il y a même des vérités. Il faut éviter de mettre en avant évidemment de l'intérêt d'une seule personne. Oui. Parfois, quand ça nuit à une seule personne, à la dignité d'une personne, on laisse tomber. On s'en abstient. Lamine, quelle est la masse? Tu as une seule idée de la masse d'informations que nous traitons ici chaque année et on met de côté? Toi, tu le sais. Ben oui, évidemment. Il y a même des gens qui viennent nous voir. Donc, après qui disent ils sont grandes gueules. Parce que après on s'est rendu compte qu'ils veulent nous manipuler. On refuse. Alors, d'aller sur la ça place. M'amène au deuxième. Donc ça c'est une perte de temps. Ça m'amène au deuxième sujet. On parle d'avortement. D'accord. On parle d'adultère aussi. Hein. Bon, l'adultère n'est pas un délit. Non, je dis pas que c'est un délit. Voilà. Mais nous sommes dans une société dont vous connaissez les règles. Les mœurs, on parle d'adultère aussi. Mais il y a pire aujourd'hui. Mais il y a pire. Avec la sortie du ministre Charles lui-même, ministre de la Justice, des droits de l'homme, non. La commission, les éléments que j'évoque, datent du moment où il est ministre. Et plus tard, Bombardier, ministre d'État, ministre de la Justice, les grandes gueules, des droits de l'homme, et garde des Sceaux. C'est lui-même qui prend la parole pour accuser KPC. Mais Lamine, vous voyez plus tard les développements que l'on va entendre de sa propre bouche. KPC est un homme d'affaires qui intervient dans les travaux publics dans notre pays. Nous sommes dans la refondation où il y a la CRIEF, où on dit il y a la justice, une justice impartiale qui va traiter tout le monde au même pied d'égalité.
le ministre de la Justice, donc le chef de l'appareil, si vous voulez, de la justice de notre pays. C'est donc lui qui va accepter que KPC l'aide tout bonnement en frère guinéen à prendre en charge ses enfants, sa femme, pour les envoyer en Europe. Mais il se fait mal lui-même, le ministre Charles. Quand j'ai écouté ce moment où il vient devant les médias, j'ai dit, mais qui l'a encouragé à faire ça? Parce que cet aspect-là, dans un pays vertueux, KPC n'aurait aucun problème. Lui, le ministre Charles, on lui aurait tout de suite demandé des comptes. Oui. On lui aurait tout de suite demandé des comptes. Il y a des gens à la CRIEF pour le même délit, concussion. Ce qui m'amène à cette question, Lamine. Où est l'essentiel? Où est le secondaire? Le journaliste qui a reçu des informations? Ou le ministre qui s'expose de cette façon? À partir de l'acte présumé, je vais dire ça, parce qu'apparemment ils veulent courir derrière tout le monde. Des grandes gueules. À partir de l'acte présumé d'avortement, jusqu'au moment où lui-même se met sur la place publique et il parle de ses liens avec un homme d'affaires en Guinée. Vous rendez bien compte que, à la fin, je suis perdu entre ceux qui comptent et ceux qui ne comptent pas. Entre ceux qui comptent et ceux qui ne comptent pas. Là, on parle d'une dame qui a enregistré, hein, qui a filmé. La pauvre, on parle même plus de ce par quoi elle a passé, hein. Tout le monde est sur elle. Elle a filmé. Tout le monde est fâché dessus. Sans dire qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça. Mais les grandes gueules. Les dames, c'est encore une fois votre condition malheureuse dans notre pays. Tout le monde est sur elle. Mais dans notre pays, même si on dit que l'adultère n'est pas un délit, dans notre morale, quand on présente un homme qui trompe sa femme, comment ça se présente? Et puis vous venez quand même dans l'espace public pour vous défendre comme ça, en enfonçant votre épouse. Bon, je ne veux pas entrer dans ça, c'est leur histoire. Malheureusement, ils ont mis ça sur la place publique. Je ne veux vraiment pas entrer dans ça. Mais il y a de ces aspects qui touchent désormais l'intérêt général, qui font que je demande quand même, je pose la question à nos juridictions, à tous ces acteurs, à l'OPROGEM, qui vous voulez. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est plus important dans tout ça? Qu'est-ce qui est plus important? La fille, elle est écrouée, là. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Dans quelles conditions elle est écrouée? Comment ça se passe? Et pourquoi elle? Parce que quand même, dans la scène que l'on voit, il y a deux photographes. Hein. Bien, merci beaucoup, mon cher Thomas. Allez-y, Madame Yoro. Deux photographes, et il faut rappeler les circonstances dans lesquelles la fille est venue vers nous, bien avant que moi je ne voyage. Je l'ai rencontrée à l'atelier international sous-régional sur les droits humains. Elle m'a approchée, elle m'a dit... Ça, c'était quand? Avant quel que mois? Au mois de février, là. Ok. Wilkinson ou Conté? Conté, voilà. Tu sais, on s'est croisés dans cet atelier, elle couvrait l'événement. Okay. Et le ministre y était également convié. Et donc, elle m'a interpellée. Moi, je l'ai taquinée. Non, partout, il y a le ministre, il y avait Conté. Je l'ai taquinée parce que j'aime bien les JRI et tout, elle filmait à mon niveau, je l'ai taquinée un peu, elle voulait m'aborder, elle a trouvé l'occasion. Elle m'a approchée, elle a dit, il faut que vous m'aidiez. Il y a un ministre de la République qui m'a fait quelque chose, il faut que je le partage avec vous. Je l'ai prise, on est sortis. Vous connaissez Palme Kamayenne, on s'est assis sur le banc là-bas. Je lui ai donné ma carte. Je lui ai dit, parce que je devais voyager le lendemain. Je lui ai dit, tu peux m'écrire sur WhatsApp, on peut échanger. Est-ce que tu es prête à parler maintenant? Là, elle m'a dit non, je vous écrirai. Je vous écrirai. Donc, je lui ai donné ma carte, je suis partie. À mon retour, le 23 février, j'ai parlé, on échangeait avec Daouda. Daouda m'a expliqué les circonstances dans lesquelles il l'a appelé à plusieurs reprises parce qu'il voulait échanger avec Mohamed Mara. Et parce qu'elle voulait échanger avec Mohamed Mara. Il faut préciser qu'elle a commencé en décembre, je n'étais pas en Guinée. Et donc, c'est comme cela que j'ai appris qu'elle est effectivement venue ici et qu'elle a parlé avec nos deux collègues, qu'elle a expliqué ce dont elle voulait me parler. Et quand la situation a explosé, moi, j'ai vu sa vulnérabilité parce que je savais qu'on allait en arriver là. Ouais. Je l'ai appelé. Je pense 2 jours après la sortie, je l'ai appelé, j'ai dit, mais tu avais promis de m'écrire, mais tu n'as pas écrit. Il dit, ah, tanti, je suis un peu occupée, je vais vous rappeler, s'il vous plaît. Le lendemain, son téléphone ne passait plus. Elle était déjà arrêtée. Mais Lamine, vous avez écouté l'audio. Oui. Vous avez vu ce que cette fille... L'un des audios.
l'un des audios qui a fuité, qui est sur la place publique, vous avez écouté les échanges entre elle et, ce, et le ministre de la République. C'est un ministre de la République qui parle comme ça dans un langage, évidemment, c'est dans leur intimité aussi vulgaire. Cela n'aurait pas dû peut-être se retrouver sur la place publique. Mais c'est une femme. Tu ne peux pas parler comme ça à une femme que tu aimes, à qui, que, à, c'est pas possible. Quand j'ai écouté, j'écoutais, mes larmes coulaient. J'ai dit, mais c'est quelle, comment, c'est quoi une femme pour lui? C'est quoi une femme pour lui? Et aujourd'hui, quand j'ai vu les sorties des procureurs de Conakry, de Cancan, qui lancent une chasse aux sorcières contre cette jeune dame, ils oublient par quoi elle est passée. J'étais à une conférence. Non, j'étais à une conférence avant-hier. Qu'est-ce que j'ai dit aux gens quand ils m'ont posé la question? Je dis, la vie privée des gens, je n'en ai cure. Je m'en fous de la vie privée des gens. Mais cette personne que vous jugez là, est-ce que vous connaissez son histoire? Est-ce que vous connaissez d'où cette fille vient? Est-ce que vous connaissez son vécu? Est-ce que vous connaissez là où elle travaille? À combien elle est payée? Est-ce qu'elle est même payée? Parce que son média l'a abandonnée. Il a fallu que les gens fustigent pour qu'ils veuillent se rattraper par la suite. Parce qu'ils voulaient la jeter en pâture. Ça ne se passe pas comme ça dans un pays normal. On ne peut pas engager une chasse aux sorcières contre cette jeune fille et laisser le monsieur avec lequel elle a échangé de ce qui s'est passé. L'avortement est interdit en République. Les grandes gueules. Un ministre de la République, qui plus est le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Moi, j'étais sur le dossier de Wilkinson quand j'étais en Espagne. Parce que les gens étaient en train de dire, vous n'avez rien dit, vous n'avez... Je l'ai dit encore une fois, je ne dis rien sans avoir recoupé. C'est comme cela que j'ai appelé le ministre. On a parlé pendant une heure de temps, Lamine. J'ai même parlé avec le petit garçon qui l'a appelé, qui était avec lui. C'est notre travail de recouper. En fait, on ne penche pas pour un camp ou pour un autre. C'est pour expliquer les circonstances dans lesquelles on est venu vers nous parce qu'on suppose que quelquefois, on peut faire bouger les lignes. Les grandes gueules. Est-ce qu'on mesure un peu ce que cette fille a dû traverser? Quelqu'un vous utilise? Imaginez, dans l'audio, un ministre de la République dit « Abandonne le travail que tu fais là-bas, viens travailler avec moi, je vais te payer. » Comment qualifie-t-on cela? Un ministre de la République. Ça, c'est qui l'autre dit à quelqu'un, délit. C'est l'autre délit. Ça veut dire, il dit affaire de fonction publique là. Les grandes gueules. On va gérer ça. On oublie sans tout ça, oublier. On s'acharne contre la pauvre fille parce que oui, c'est une simple journaliste. Parce qu'elle elle n'a pas de ressources, parce qu'elle n'est pas ministre de la République, parce gueules. Qu'elle n'a personne pour la défendre, parce qu'elle est pauvre. Parce qu'eux tous sont dedans. On est dans quel pays? Parce qu'ils sont dedans. C'est la guerre des intérêts. Mais... c'est la coalition des plus forts contre les vulnérables. Qui contre, une personne, contre une personne qui craignent vulnérable. Qui ressorte. Moi, je ne peux pas comprendre. Je peux comprendre qu'on veuille mettre la main sur la fille pour comprendre des choses. Mais qu'on pense que c'est elle qui a divulgué, mais par la suite, on a vu ce qui s'est passé. Quelqu'un qui parle de, qui ignore son épouse qui lui a fait 5 enfants. D'accord. Comment ouais. Vous pouvez qualifier cette personne? Et puis vous pensez que si les gens, si les juristes, les hommes de droit de ce pays réfléchissent, qu'ils laissent la petite. S'ils réfléchissent, qui laisse cette petite-là. Elle n'est qu'une victime. Parmi combien de personnes? Ouais. Elle n'est qu'une victime. Ouais. Vous savez, c'est dur d'être femme dans certains pays. Parce que le système patriarcal elle est là. Elle s'est tournée vers plusieurs proches. Parce que le système patriarcal est là. On suppose que la femme là-dessus. A tort de faire ci, de faire ça. Elle ne devait pas faire ci, elle devait faire ça. Et l'homme qui était là, qui l'a appelé, est-ce que lui, il avait raison de faire tout ce qu'il a fait? Est-ce que lui, il avait raison de faire tout ce qu'il a fait à cause de sa position? Il a profité de sa position pour appâter quelqu'un qui est vulnérable. Et aujourd'hui, tout le monde, le pays tout entier tombe sur cette jeune dame. Je pense qu'il y a à réfléchir. Ouais. Ce pays-là, franchement, il y a à réfléchir pour la République de Guinée. Ouais, hélas. Allez-y, Diba, en 30 secondes, mon cher voilà, Diba. En 30 secondes. Ouais. J'ai envie de dire que si cette jeune dame se retrouve à la cellule A, normalement, le ministre devrait être à la cellule B. Non, une façon de parler. Hein. Si le ministre, si la dame, je rappelle, se retrouve à la cellule A, Charles doit être à la cellule A1. Voilà. J'avais dit B. Non, A1. A1, c'est mieux. La proximité, okay. C'est très important, puisque sur toute la ligne, il y a eu des infractions pénales. D'abord, il y a l'affaire d'avortement, c'est un crime. Il y a aussi du recel parce qu'il reconnaît que sa femme, quand il est rentré à la toilette, sa femme a transféré des images. Donc ça veut dire que lui-même, il reconnaît avoir détenu des images prohibées.
Donc ça, c'est du risque. Toi, tu es sûr que ça, là, c'est avec sa femme, il a fait ce qu'on a fait. Non, non, je dis, quand vidéo. Il dit que sa femme avait transféré les images qui étaient dans son téléphone, ouais. Elle a transféré ces images, elle a récupéré. Ouais. Donc le ministre reconnaît implicitement qu'il avait à sa disposition d'autres images. Des images, donc c'est du récel. Normalement, c'est un délit à la loi pénale. Je pense que sur mais toute il a la même ligne, diffusé l'audio sa femme. De sa femme. Et là, en direct, le monde l'a vu et c'est de la divulgation. Tout simplement. Moi, je suis je suis dans une incompréhension totale qu'on puisse jusqu'à date, jusqu'à au moment où on fait cette émission, le ministre n'est pas convoqué. Ouais. Je n'arrive pas quand même à comprendre ça. C'est-à-dire que c'est une justice à deux vitesses, on s'acharne sur une pauvre jeune dame, et en même temps, c'est vrai, je n'en dis pas qu'une personne a menti, hein. La culture médiatique ne le souhaite pas, en France, vous pouvez le dire. Mais pour moi, la réquisition du procureur, ça a été des contre-vérités. Bien. Parce qu'on a fait croire à l'opinion que la dame avait... Elle est en fuite et nous apprenons qu'elle est ici à Conakry, elle est en Guinée. Voilà. Je pense elle est détenue ça, depuis. Détenue depuis. Et ça n'honore pas la justice guinéenne. On bien. A toujours dit que c'est une justice aujourd'hui qui est sur les deux mains, il faut réveiller sur les deux pieds. Et Charles, à mon avis, je n'ai rien contre lui. Mais si le bon sens, s'il y a l'éthique, lui-même, il devrait se présenter devant les juridictions. Bien. Parce que sur toute la ligne, il y a eu un crime, il y a eu des délits. Merci beaucoup, Diba. On va revenir dans la troisième partie de l'émission. Mesdames et messieurs, à 11h, on va écouter d'autres pans, évidemment, de cette affaire, évidemment, avec vous sur Radio Espace. Vous continuez à réagir. On revient à 11h.